comment est la matinée? Ben, elle commence. La matinée commence, hein. C'est une journée relativement chargée par rapport à mes journées habituelles. Tout à l'heure, il y a une interview sur une télévision associative à 11h. Ensuite, j'ai rendez-vous avec mes avocats. Ensuite, si j'ai le temps, je passerai signer chez les gendarmes pour mon contrôle judiciaire. Si on n'a pas le temps, eh bien, on ira directement à la signature de livres à la mairie du 5e dans le cadre d'une foire du livre du quartier latin. Mes journées sont en général beaucoup moins chargées pour l'instant, étant coincées justement dans mon travail. Et elles sont comment justement? Ouais, elles sont souvent très vides. Vous savez, un an et demi, un an, 13 mois sortis par force de votre travail et de vos intérêts, j'allais dire, intellectuels, puisque je vous rappelle que je vis en Mauritanie et normalement je travaille en Afrique. Ça fait long, hein, 13 mois. Et surtout quand on se sent innocent et qu'on ne comprend pas pourquoi on vous retient. Hein, c'est un peu comme être en laisse avec un maître pas très sympathique. Je suis quand même chez moi parce que c'est chez mes parents. Bon, mais à 55 ans, quand même, j'allais dire, ça fait un peu long. Même si on s'entend très bien avec ma mère et qu'on cohabite sans problème. Mais quand même, j'ai du mal à inviter mes amis un peu larges ici. Puis je veux pas être à ses crochets tout le temps. Et c'est vrai que c'est difficile de dire on est chez nous, on organise des dîners, on est chez Daniel Mitterrand avant tout. Ça va, Charles, pas trop fatigué? Fatigué, moi, jamais. Non, pas fatigué, ça va. On a fait deux représentations hier. En fait, comme la fille avec qui je fais l'alternance d'Esmeralda, qui s'appelle Nadia Bell, elle s'est fait un œdème aux cordes vocales, la peau. Et donc, c'est moi qui fais tous les shows, là, jusqu'au 27, à part deux. Et donc, là, ça va être un rythme pas évident. Je vous le dis. Alors ça, en fait, c'est des gâteaux. Ça s'appelle des croquets, c'est vachement bon. Ma grand-mère fait les mêmes et ça, c'est la mère de mon copain qui les a fait. Donc je vous propose d'en manger, c'est vachement bon. On va se mettre par là. Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce qu'il y a ma grand-mère des États-Unis, donc Mommy Chris, pour les intimes, qui va venir voir le spectacle et toute la famille l'a vu sauf elle. Donc ça va être très émouvant parce que c'est grâce à elle qu'on chante, quoi. Que ma mère chante, que je chante, grâce à sa voix parce qu'elle a une voix magnifique. Pour Noël, elle m'a offert un cadeau symbolique et très émouvant, je vous le montre. En fait, le jour de la première du Mogador, à la fin de la représentation, il y avait comme un cocktail et j'ai hérité d'une robe qu'elle mettait, elle, quand elle avait 20 ans, qu'elle m'a prêtée, et je la prêterai moi aussi à ma fille, j'espère. Et voilà, en fait, ma grand-mère, il y a plus de 55 ans. Après, il y a moi, avec la robe là, au théâtre Mogador. Et puis ma mère, il y a 20 ans, je crois, quand elle avait mis cette robe pour aussi un cocktail ou un film, je crois. C'est tendu qu'on te présente parfois comme la fille de Jane Manson. C'est vrai que si on me présente que par la fille de Jane Manson et qu'on ne dit pas mon prénom, Shirelle ou Jennifer, parce que je suis née Jennifer, oui, là, ça dérange, c'est normal, parce que c'est comme si on m'éliminait. Donc ça, c'était le bureau de mon père. Et c'est là où je m'étais installé lorsque j'ai écrit mon livre. Tous les objets, mis à part certains dossiers, ça c'est à moi. Là, vous pouvez voir sur l'Afrique et d'autres. Mais sinon, tout le reste, le bureau n'a pas bougé. Il y a un objet que vous aimez en particulier ici? Les livres. Ce sont des éditions originales. C'est assez agréable d'en feuilleter de temps en temps. Vous aimez cette photo? Celle-là, vous parlez. Hein. Elle est assez belle comme photo, il y a un regard intéressant, mais en même temps, il est... on sent la maladie, et c'est un côté un peu triste. C'est l'époque où ça n'allait pas très bien. Vous les considérez comment, vos parents? Des parents comme tout le monde, des parents qu'on aime, des parents avec qui parfois on n'est pas d'accord, des parents avec qui parfois on est très d'accord. Quand j'étais en pension, oui, évidemment, le milieu familial me manquait, mais... J'étais en pension, c'était un peu de ma faute, hein. Il fallait me mettre l'épée dans les reins pour travailler.
tu te refermes là. Tiens. Bah oui, merci. Oh, il est horrible. Ouais, mais il va la porte. Je l'avais pas vu. Où il est? J'ai pas eu. Tout le monde le cache. C'est Madame Mitterrand. Comment s'organise la vie commune avec votre fils? Quand on se croise, on est très très content de se rencontrer quand je suis ici. Et puis, on prend des petits déjeuners. Il m'invite à dîner dehors. Ce soir, on dîne. Non, on a une vie comme ça. Moi, je suis vraiment souvent, très très souvent partie. Ah, mais moi, je vais chercher mon énergie en Amérique latine. C'est là où je la trouve. Il se passe des choses fabuleuses. Enfin, pour toi, les Grecs, il n'est pas que l'Amérique latine. Parce que, vu tous les gens qui étaient là-bas, il y avait tous les continents. Il y avait tous les continents, oui. Mais c'est en Amérique latine que ça se passe. Oui, oui. C'est la mondialisation du monde de demain, du monde qui est construit par les peuples solidaires, et pas par les appétits de pouvoir et d'argent. Et je vous assure, c'est fabuleux. Ils sont arrivés à me faire danser la samba, alors faut voir. Il y a des journalistes qui me posaient la question de savoir pourquoi j'avais cet esprit nomade. Ça doit être génétique. Peut-être. Comment trouvez-vous votre fils? Depuis ces épreuves, je crois que je l'ai découvert vraiment. Et que ça nous a... Je vivais à l'étranger, n'oubliez pas, donc oui. On ne se voyait pas souvent, même si on était content de se retrouver. On s'aimait bien, mais on ne se connaissait pas tellement. Je crois que maintenant, je le connais. Et je crois que c'est un type très bien. Il y a des choses que vous vous reprochez en tant que maman? Non, parce que c'est justement c'est le caractère de Christophe qui ne s'exprime pas beaucoup. Évidemment, ça ne crée pas les échanges et ça ne rapproche pas. Mais ça ne sépare pas non plus. Ça ne sépare pas non plus. Est-ce qu'il est le même en France et en Afrique? Non, il est beaucoup plus épanoui en Afrique. C'est un puits de science sur l'Afrique. Il connaît l'histoire des tribus. Puis il a une analyse, il fait une synthèse de l'histoire d'Afrique qui pour moi est passionnante. François était déjà un peu comme ça quand il nous apprenait l'histoire de France. Oui. Il nous apprenait l'histoire de France comme si c'était une histoire de famille. Il faut y aller. Il y a des collègues à vous qui nous attendent. On devrait y être. Où, à la télévision. On va à la télévision associative et ensuite au cabinet de associative. Mes avocats. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire à la télévision associative? Alors quoi? Vas-y, pas. Non, je voulais t'introduire. Non, c'est vachement, c'est mieux comme ça. Non, mais attends, j'explique qui tu es. Ah oui. Ah, en fait, t'es qui, toi? Tu crois que... Gaëlita. Gaëlle. C'est ma copine d'Israël. Ça rime. Oh, tiens, regarde, c'est le parc Monceau. Viens, je t'amène. C'était mon école. Sympa, hein? T'as vu? J'étais dans cette école, c'est l'école bilingue, et c'est la petite école, elle est là. Et toutes les récréations, donc toutes les heures, on descendait au parc. C'est pas donné à tout le monde, quand même. Non. C'est magnifique, hein? Super. Toi, t'avais un parc, toi, Marty? Non, j'avais la plage. Ah. D'accord, chacun son truc. Et là, il y avait toujours Enrico Macias qui passait et tout, on s'affalait sur lui. Enrico! Il s'arrêtait pas parce qu'il courait, mais bon. Et oui, il courait tous les matins et tous les matins à 10h à la récré, on le voyait. C'est sympa. Moi, je le connaissais, alors je crânais un peu, tu sais. T'en fais gaffe. Pour moi, c'est vachement important cette école parce que c'était du CP, donc j'avais 5 ans. Jusqu'à 18 ans, et j'ai toujours les mêmes amis, mes amis à Parguel hein, et d'autres que j'ai rencontrés après. Mais c'est les mêmes que quand j'avais 5 ans. Donc c'est génial, c'est vraiment des amis d'enfance, et on se quitte pas. D'ailleurs, pour le 25 septembre, la première de Notre-Dame, il y avait 70 personnes pour moi, 70 qui ont payé leur place, des amis. Et la majorité, c'est des gens que je connais depuis 15 ans, quoi. Enfin, pour 23 ans, c'est beaucoup, 15 ans. Tu voulais prendre un petit... Oui, c'est vous? Non, ça va, merci. Ah. Vous m'avez demandé d'amener quelques objets, je l'ai fait. C'est le max du commandeur, non? C'est comme dans Don Juan, qui incarne le père, non? Ça, je ne sais pas dans la tribu ce qu'il incarne, dans la tribu africaine, mais c'est Janus, hein. Il y a deux visages. Si vous le retournez, il y a un deuxième visage. Ah oui? Ah, ouais. D'accord. Et visiblement, c'était pour faire peur. Et il vient des... À la tombée de la nuit, ça devait être efficace. Et il vient des fins fonds du Cameroun, Nigeria, au sud, là, dans les grandes forêts. Donc il s'agit en fait d'une série documentaire sur la mémoire. Donc une série qui vise à collecter la mémoire individuelle pour ensuite l'agréger et en faire un patrimoine de mémoire audiovisuelle universelle. Et Jean-Christophe Mitterrand, c'est un homme de voyage qui s'est presque, on le verra, mais qui semble-t-il, c'est ce qu'on va confirmer ou infirmer tout à l'heure,
Ben, c'est construit par son échappée belle vers d'autres pays plutôt exotiques, pour être lui-même et pour ne pas être dans le moule apparemment de ce qu'a pu être Gilbert Mitterrand, qui était plus... Exotique, New York, Israël. Ben, je ne sais pas si c'est exotique tout ça. C'est lointain, ah, d'accord. Ce sont des contrées lointaines qui font que l'Afrique, vous êtes je comprends encore, celui mais... qui ramène du souvenir. Ouais, non mais en fait, vous me verrez, moi. Ah d'accord. Si vous voulez vous voir, ah, c'est pour que je parle avec on peut mettre un deuxième voilà. Miroir, ouais. mais le principe est qu'on se regarde à travers le miroir. Bon, Jean-Christophe Mitterrand, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer pour parler de mémoire meurtrie et puis pour parler à travers cela de votre mémoire. C'est quoi être un Mitterrand, puisque vous parlez de cette notion dans votre livre? Être un Mitterrand, c'est avoir le nom d'un homme politique et... Bien, écoutez, merci. Bonne journée. Tout à fait. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Merci, bonne journée. Quand je travaillais avec lui en public, je l'appelais le président. Monsieur le président. C'est bizarre. Oui, c'était assez bizarre. De temps en temps, il fallait faire un peu attention. Et puis, c'est pour ça que de temps en temps, j'évitais d'être présenté officiellement. C'était assez difficile, mon père qui me présentait en disant « mon conseiller ». Moi qui disais « président », alors que tout le monde savait que c'était mon père, j'étais son fils. Donc en général, je passais par derrière et j'allais à la réception sans être présenté. Je vous présente Charlotte. Gaëlle. Charlotte. Ah, vous connaissez pas? Alors là, je vois soit avec ça. Ouais. Comme ça te fait un côté bicolore, c'est plus sympa. D'accord. Et je t'ai pris un haut noir aussi. Ça, c'est Esmeralda, genre les petits trucs. Elle est belle, cette jupe, hein? Parce qu'en fait, il y a des télés où je préfère être moi. Bon, donc, j'ai pas le même style qu'Esmeralda. Et puis, des télés où, comme je représente un peu Notre-Dame dans des trucs, donc je chante, je sais pas, Ave Maria ou Vivre. Et là, je préfère représenter un peu plus Esmeralda. Voilà. Donc, je vais essayer à tout à l'heure. Alors actuellement, tu peux le mettre avec des bottes, mais après, tu vas pas. Non, parce que je fais souvent pieds nus. Ouais, toutes les télés que j'ai faites, genre en Esmeralda, j'étais pieds nus. Pas de chaussures. Et voilà. C'est Jennifer qui a gagné. Et ouais. Chérielle, ça t'aurait fait quoi de gagner à Star Academy? Ça m'aurait fait plaisir d'être riche du jour au lendemain. Non, c'est une super occasion pour elle. Je suis très contente pour elle. Aurélie Turquoise. Mais encore une fois, en fait, c'est le concept de Star Academy que je trouvais pas génial. Avec ce qu'il y avait autour. Maintenant, de prendre des cours de chant, de danse, d'interprétation scénique, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une chance extraordinaire. C'est génial. Ça, c'est une super idée jusque-là. Toi, tu l'aurais tenté? Non. Non, parce que savoir qu'il y a des gens qui me regardent quand je me brosse les dents le matin ou quand je suis, ça c'est ma vie personnelle, je veux pas le partager avec 12 millions de spectateurs, je trouve ça nul. Nul. Comment ça va? Ça va? Bonjour. Je vous présente Maître Wilner, Rémi, de son prénom. Oui. Bon, allez demander un non-lieu à quant au dossier, je Non, non, je m'en donne des copies de, oui. De la demande de non-lieu. C'est la demande de non-lieu qui a été déposée au début de la semaine. Quand a-t-elle été déposée? Le 1er février. Le juge a donc l'obligation d'y répondre le 1er mars, non? Au plus tard, le 1er mars. S'il ne répond pas dans le délai d'un mois ou s'il répond qu'il y a matière à poursuivre l'instruction, son droit le plus strict, il faut qu'il le motive. Et ensuite, Jean-Christophe a la possibilité de former appel. Donc, si par hasard, on arrive devant le tribunal parce qu'ils ne nous ont pas suivis, ben on leur rappellera que le 1er février, on avait écrit que le dossier est vide. Il ne sera pas plus plein plus tard. D'abord, on va passer à autre chose plus tard. Quel type de client est Jean-Christophe Mitterrand? Absolument naturel, il est comme il est. C'est-à-dire que il est absolument conforme au physique qu'il a. Il a une certaine stabilité et il manifeste très très peu ses sentiments. Il n'est pas d'une loquacité extrême.
J'ai quand même une anecdote à raconter. Tu m'autorises à la raconter ? Tout à que tu veux. J'ai eu l'occasion de l'emmener un week-end chez moi en Corse. Et c'est une maison très très près de la mer où je suis depuis des années et des années. Et c'est le premier ami que j'ai amené dans cette maison qui est allé acheter une canne à pêche et qui du rocher a pêché un poisson, ou même du poisson, il en a ramassé 7 kilos. Ça ne s'était jamais produit. Donc c'est une image, mais J'aimerais terminer cette anecdote. Quand il m'a vu acheter une canne à pêche... J'ai pas cru. Il n'avait pas cru. Et il m'a dit, si tu attrapes du poisson là, devant, je mange mon chien. Oui. Et j'attends qu'il mange son chien. Oui, j'ai pas mangé mon chien, mais il en a ramassé 7 kilos. C'est les soldes. Ah, c'est les soldes. Ça va et vous? Très bien, merci. Belle pleure, en tous les cas. Merci infiniment. Allez, belle comme... Alors... une salade, je sais pas, j'arrive. Les clémentines, c'est pour le spectacle, parce que pendant l'entracte, toujours mieux, merci, que du chocolat. Alors, est-ce que je pourrais avoir une barquette de framboises? Ah oui. J'adore. Monsieur, vous reconnaissez votre cliente? Non. Non, du tout. Mais c'est pas grave, hein? Ah oui, oui. On est jusqu'au 27. D'accord. Au théâtre Mogador. Avec ça, jeune fille. C'est tout. C'est vrai. Tu es née en France? Je suis née en France, mais j'aime beaucoup la France. Hein. Je suis là et j'apprécie d'être là par la culture. Il y a tellement de choses à apprendre ici. Mais mon cœur, il est en Israël. C'est mon pays, c'est ma maison. Je me sens, c'est comme j'ai un passeport américain, j'aurais pu dire. Mais c'est là où je me sens chez moi, c'est en Israël. Et je trouve que c'est important d'avoir trouvé son chez-soi. C'est déjà un grand pas, je trouve. Ouh là là, il y a une queue d'enfer jusque dehors. On va laisser tomber. Comment vous pouvez organiser des élections aussi rapidement? Ah, mais tu verras, il n'y a pas grand monde aux Comores. Au oui, non, mais, non, mais ça pose quand même quelques problèmes des recensements, quand même. T'as pas de parti officiel? Qui? Toi? Ah si, j'étais dans le parti. Il était? Non, non. Qui est là? Des Comores. De la, situation politique des Comores, parce que les élections... des élections régionales et présidentielles dans un mois. Et Maesha est un des candidats. Mais c'est très compliqué comme système, parce que c'est semi-fédéral. Donc c'est très compliqué. Et bon, il est de passage à Paris et il m'explique un peu comment ça se passe. Mais ça fait la troisième fois que je lui explique ça. C'est tellement compliqué. Le système est tellement compliqué qu'on a du mal à comprendre. Vous savez, l'Afrique, c'est 30 ans de ma vie. Hein, donc, en plus, on se connaît depuis combien de temps? 20 ans? À peu près. Ouais. À peu près, oui. Donc forcément, c'est un ami et je m'intéresse à ce qu'il devient. Un jour, il m'avait invité à son mariage. Donc, il n'est pas venu d'ailleurs. Oui, ou je ne suis pas venu, mais non. Un grand mariage traditionnel. Il faudrait quand même expliquer pourquoi je ne suis pas venu. Oui. Tu m'as prévenu la veille. La veille, oui, mais je pensais qu'il t'avait... Et c'était aux Comores. Mais je pensais qu'il y avait un avion du Glam qui voulait décoller là-dedans. Ah non, pas pour le privé. En mission. Voilà. Donc il n'est pas venu. Je l'ai connu d'abord avant qu'il soit à l'Élysée. Hein? Je l'ai connu à l'Élysée et je continue à aller voir après l'Élysée, vous voyez. Donc, J'ai changé dans tout ça? Non, j'ai grossi. Voilà. C'était un peu triste pour moi de le savoir enfermé là-bas. Moi, j'ai fait de la prison, moi aussi, ce que c'est. Mais lui, il était peut-être mieux servi que moi là où il était. Je suppose que c'était pas les mêmes conditions. Oui. Hein? Et oui. Moi, j'étais dans une prison pourrie. Combien de temps t'es resté? 3 ans? 3 ans. 3 ans, oui. Pour des raisons politiques. Hein. À se demander si moi, c'est pas la même chose. Hein. Et c'est des moments pas agréables, ouais, mais on va pas pleurer pendant des années. Il faut en parler. Lui a retrouvé toute sa liberté de mouvement et même, j'allais dire, ses ambitions. Ouais. Moi, pas encore, puisque j'ai pas de liberté de mouvement. Parce que je suis toujours en contrôle judiciaire et je dois... j'ai pas le droit de quitter la France, on m'a pris mon passeport, etc. Donc, j'allais dire, moi, je suis encore un peu prisonnier, toi, tu ne l'es plus. Non, moi, non, moi, je suis libre. Il faut pas oublier que la justice a bloqué mes comptes, hein. En plus. Voilà, donc, je survis pour l'instant. Ça fait un an que je ne fais rien de véritable. Il vous arrive de regretter votre nom de famille? Non. Dans quoi?
Non, il m'arrive de regretter la malhonnêteté intellectuelle de la société par rapport à ce nom de famille. Mais ça ne veut pas dire que je le rejette pour nom de famille, je suis même plutôt fier. Il est midi, c'est à 1h, je dois être à 1h au théâtre, donc on a une petite demi-heure pour manger des pâtes, prendre des forces, et on y va. Chérie, quelqu'un qui succède à Hélène Segarra, qui reprend un rôle énorme, ouais. T'as l'air plutôt cool. Je sais pas, on dirait qu'on me reproche à chaque fois d'être cool dans les émissions de télé, mais je suis pas cool en fait, je sais pas. C'est pas un reproche. Non, mais à chaque fois on me le dit, vous êtes cool quand même, hein, vous êtes... J'ai dit, mais pourquoi je devrais être en train de me mordre les doigts. J'ai peur, hein, j'ai le trac, j'ai... Bon, pas là, parce que là c'est sympa, on parle et tout, mais avant de rentrer en scène, j'ai vachement le trac. C'est bien d'avoir le trac, le jour où j'aurai plus le trac. Brel, il disait, le jour où on a plus le trac, il faut arrêter de faire ce métier. Hop. Continuer à faire des comédies musicales, que ça soit ici ou à New York ou en Israël, peut-être. J'aimerais énormément. Ça serait un but. Et m'accomplir aussi en chantant mes propres chansons ou les chansons des autres, mais en étant Chirelle, parce que là, je suis Esmeralda ou je serais un autre personnage. Mais d'être moi-même, c'est encore plus dur que d'être Esmeralda ou Maria dans West Side Story. Beaucoup plus difficile. Parce qu'on doit vraiment là se déshabiller et dire, voilà, ça c'est moi. Donc aujourd'hui, vous avez la chute. À l'époque d'Abdallah, les grandes familles avaient... Comptaient beaucoup. Oh, oui. La dernière fois que je suis au Comores, c'est la photo que j'ai mise dans le livre. Au dîner avec Abdallah. Et quelle est, selon vous, votre réputation aujourd'hui? Ma réputation? Ou en Afrique? Ou en France? Mais en France, depuis un an, on a essayé d'en faire une, avec un certain succès d'ailleurs, d'escroc. Je pense que, à court terme, la justice montrera que je ne le suis pas. Mais, vous savez, une fois qu'on lance une rumeur, une fois qu'on lance une réputation pour aller contre, c'est pas évident. Quoique, dans la rue, l'accueil est plutôt très sympathique. En Afrique, j'ai pas du tout la même réputation et je n'ai jamais eu la réputation qu'on a voulu me faire en France, même de fêtard. J'ai pas fait ma vie dans la politique. J'ai toujours refusé d'en faire. On m'a même proposé de me présenter des fois et j'ai refusé. J'ai fait ma vie en tant que journaliste. Ensuite, comme je connaissais bien l'Afrique, je suis rentré au service du président de la République. C'était mon père. Mais j'aurais été n'importe un autre, j'aurais pas dit non plus. Bon. Et puis en 92, j'ai quitté parce que c'est pas un métier. Il fallait bien que... Et je me suis mis à mon compte après. Bon. Mais je n'ai pas suivi le chemin politique. J'ai pas vécu dans la politique de mon père, j'ai pas vécu de ça. C'est quelqu'un de simple. Alors ça, c'est... Ça, les gens s'attendent pas du tout à ça. Quand on imagine Mitterrand, on imagine une famille avec beaucoup d'argent, beaucoup de principes, beaucoup de fioritures, alors que c'est des gens simples, naturels, extrêmement tolérants. Il y a une tolérance immense. Un refus du racisme. Et Christophe, c'est... C'est quelqu'un de magique, puisque c'est mon amoureux. Ça ressemble à une déclaration. Si j'avais pas été en résidence surveillée en France, je serais en Afrique et peut-être qu'on serait pas revus. J'ai une chance dingue. Mais alors, je veux pas dire... C'est-à-dire, ne pouvant pas bouger... Merci la santé, Gézard. J'étais à disposition. C'est une blague, en fait. Ouais, c'est une blague. Bon, je fais un petit peu, 2 secondes, parce que je suis très maniaque. Mais genre, maladivement, hein. Je passe l'aspirateur, je suis une vraie maniaque, quoi. Je déteste la saleté. À la base, c'est des fans de ma mère. Donc c'est des fans assez âgés, là? Non, en plus, alors le pire, ils ont 21 ans. Voilà, ils m'ont amené hier, ils viennent de Dunkerque, ils m'ont amené un book qu'ils avaient sur ma mère depuis qu'elle est née, jusqu'à 21 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, à 10 ans, je suis tombée amoureuse de ta mère. Et depuis, je la suis. Il m'a donné ce truc donc encadré, ce que je trouve vachement sympa. Et puis des photos, je vais vous montrer. Je trouve ça incroyable. Des photos, regarde.
J'avais 8 ans, là, ou je sais pas quel âge j'avais, avec ma mère. Ça, c'est quand je suis née. C'était dans Salut Magazine. Faut le faire, quand même. Il m'a donné ça. Après, il m'a donné ça, c'est quand ma mère, elle a chanté à l'église Saint-Roch, il y a quelques années. Ça, c'est quand j'ai chanté à la salle Gaveau avec ma mère. J'avais 14 ans, 15 ans. Donc, il est allé chercher tout ça. Il était vachement gentil. J'étais hyper touchée. Voilà. Vous allez pointer alors? On va signer. Signer la signature hebdomadaire. Vous les connaissez bien, les gendarmes? Bah, à force, oui. Hein. À force. On prend pas le café ensemble, mais tout juste. C'est aussi rapide que ça. C'est juste pour montrer à la force publique que j'ai pas quitté la France. Mais je suis obligé de venir signer. Et ça se passe comment? Très gentiment. Il y a un dossier, on sort le dossier, il y a les feuilles avec les dates, etc. Il faut que je signe une fois par semaine. Si je ne signais pas une fois par semaine, le juge serait autorisé à me remettre en détention provisoire. On y va. Ah, on n'est pas venu à pied. Enfin, on a fait moitié. Coucou. Jolie. Christine. Bonjour. Très chère maquilleuse. Alors, Cyril Nicolai, c'est Gringoire. Cyril. Cyril et Cyril. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Oula, qu'est-ce que t'as? Bah, rien. Mais parle un peu. Faut que je parle, faut que je me réveille, faut que je sorte du lit. D'accord. Je crois qu'on tient encore. Tu sais à quelle heure je me suis réveillée, moi? Dis-moi. 8h30. Ça, c'est bon. C'est beau, hein, quand même. Bah, elle est en pleine forme, n'empêche. Voilà, tu vois? J'ai la patate. J'ai la patate. T'as vu comme ils étaient bons hier? Ils étaient très, très bien. T'as vu? Il y a de l'ambiance, là. Arrêtez pas, hein. Ah non. Alors. Quand tu le vois, comment il est? Voici la coiffure. Bonjour, Sophie, Bonnie, Yuko, Angela, Flo. On te voit pas encore. Et Carole. La littérature à la coiffure. Alors, poisson. Oula, j'ai un bon truc là. Vie privée. Toutes les femmes ont rêvé du prince charmant. Mais là où vous avez sur les autres un avantage, c'est que vous allez le rencontrer. Et en beaucoup plus sexy et viril que dans les contes. Bon, moi je l'ai déjà, je m'en fous. T'es déjà dans le personnage de Cyril, là? Non, là je suis encore Cyril. Là on est tous nous-mêmes, je crois. Encore. Oh, je vous présente Michel Pascal, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bonjour. Et puis Roddy, Julien. Bonjour, ma chérie. Ça va? Ça va? Ouais. Oui, moi. Ferme. Oui. Alors, ferme. Est-ce que... Je suis follement amoureux de... Chirel. C'est ça. Arrête, hein, hier après-midi. Arrête, je t'ai vu que je t'ai donné un coup. Pas possible, ce mec. Mais j'essaie de. Il me lèche le front. Dans la cage, de lui faire des trucs, mais. Et ma grand-mère dans la salle, t'as intérêt à être bon. Oula, oh, la pression. Grand-mère. Il y a ta maman en plus, je crois. Ouais. Américaine. Double pression. Et ouais, parce que ma mère, elle a pleuré la dernière fois qu'elle est venue, qu'elle a vu Jérôme, elle a dit. Oh, vraiment, Quasimodo, il m'a fait pleurer. Ouais. Comme ça, hein. Il m'a fait pleurer. Il me fait pleurer. Ils s'entendent bien, Esmeralda et Quasimodo, dans la vie? Dans la vie ou... Bah, c'est-à-dire que là, comme il y a caméra, on peut pas... Ouais, ouais, j'adore Chirel. Parfois on chante les 10 commandements, ici là, pour se chauffer, pour rigoler. Et alors on nous a engueulés, mais grave, on nous a dit, mais ça va pas de chanter ça. Est-ce qu'ils nous entendent dans la salle? Ah, je la vois, ça y est.
Ça y est, je l'ai vu, je l'ai vu. On va où là? On va au colloque du groupe Mialé, donc des gens qui sont allés en. Qui ont fait une association et qui sont allés en prison, notamment préventive. Vous allez habiller comme ça? Pourquoi ça va pas? Je sais pas. J'y vais habiller comme ça, oui, tout à fait. Vous avez laissé porte... votre pantalon derrière. Comment? Laissé votre jean derrière. Ah merde, je me suis assis sur quoi? Oh, bon, c'est pas grave. Hein. La vie est comme ça. Ça arrive, vous savez, les tâches. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai été maltraité par les surveillants ou autre. Pas du tout. Mais l'isolement, c'est difficile. Et surtout, quand on est en détention provisoire, vous ne savez pas combien de temps ça peut durer. Lorsque vous êtes condamné, vous savez, vous en avez pour un an, 6 mois, 10 ans, 20 ans, ça dépend de la condamnation. Et vous savez quel jour à peu près vous sortirez avec les remises, etc. Quand vous êtes en détention provisoire, vous êtes entre les mains d'un homme qui décide. Que qui ont été poussés. Enfin, troisièmement, je voudrais faire une remarque d'ordre général, et qui est une remarque de fond. Il est tout à fait clair que ce qui gouverne le droit pénal et la procédure pénale en France, c'est l'égalité. Je veux dire par là que il n'y a pas plusieurs droits pénals, plusieurs procédures pénales. Le droit pénal et la procédure pénale sont un. Et que, bien entendu, c'est toute la difficulté. Merci beaucoup. Je vais, si vous le voulez bien, passer la parole à la salle, si elle a des questions à poser à M. Albertini et à M. Toubon, avant de passer... aux autres intervenants. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Bref, parce qu'il faut que nous arrivions à faire parler tout le monde. À quoi ça sert la prison? Qui va en prison? Quel est le sens de la prison? Quel est le sens de la punition? Je crois qu'il faut vraiment réfléchir. La société, elle bouge, et la prison, elle bouge pas. Bon, moi, j'ai connu une prison particulière. Je n'ai pas du tout été traumatisé. À l'heure actuelle, par des problèmes liés aux condamnations qui perdent, qui font perdre la, oui, bien sûr, mais la vie économique. Cette incarcération, l'entrée m'a traumatisé. Les 3 semaines ne m'ont pas traumatisé. Le témoignage précédent. Mais l'entrée. Monsieur. Je ne veux pas ici faire de l'esprit partisan, mais quand j'entends des politiques prendre fait et cause pour exprimer que tel cas ne mérite pas une peine d'incarcération, il faut aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit accepter qu'un syndicaliste a le droit à la destruction et pas un autre. Alors comment on arrive à faire une nourriture aussi dégueulasse? Comment on arrive à détruire une carotte comme ça? Il faut le chercher. Hein. Que les prisons ne soient pas ni pour les carottes, c'est une carotte. Et ben, c'est plus une carotte quand ça arrive. Principalement par la J'ai un avantage fou, enfin fou, c'est que j'ai vraiment des avocats qui sont des battants extraordinaires, oui, et qui sont là en permanence. Il n'y a que comme ça. Hein. C'est-à-dire que si on ne se voit pas, c'est 3 coups de téléphone par jour, c'est... Parfait. Bon retour, merci d'être venu. La fin de quoi? C'était bonjour, votre femme. Ne manquerai pas, c'est promis. Oh, pardon. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Il reste beau, alors. Oh. Là, je ne vais pas avec, hein. Alors, je cache ma petite bouteille d'eau pour que personne ne la prenne. Ça, c'est celle d'hier. C'est ton petit lieu secret, là. Voilà, et moi, j'attends là, jusqu'à ce qu'il y ait Bohémienne. J'enlève mes chaussons. Bohémienne, ça vient tout de suite. Ça... Bohémienne, c'est la 3e chanson. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Comme un monté vers les étoiles.
Ça va, tu l'as vu ta grand-mère? Non. Je suis pas sûre que ça soit elle. Des photos avant. On verra bien. Dans les autres chansons, je suis plus proche d'elle, de la scène. Donc. Je suis pas sûre en fait. Vous les retrouvez. Vous regardez les photos de famille? Oui. Vous avez changé depuis que vous étiez petit. C'est un peu le lot de tout le monde. Mais... Tout à fait. Ben ça, c'est la couverture, c'est 1965. Je trouve qu'il y avait un regard qui était intéressant. Là, c'est mon anniversaire. 19 décembre 65, second tour de la campagne contre De Gaulle. De Gaulle fait 55, mon père 45 à peu près. Ça, c'était lors d'un meeting. C'était une des rares photos où je suis dans un meeting. J'étais plus en observateur ou en curieux qu'en participant. Ça ne vous a pas donné envie de faire de la politique? Non, jamais. Bonjour monsieur, vous êtes bien? T'as quel âge maintenant? 11 ans. 11 ans. Bah dis donc. Cinq depuis. Les moins Mitterrand des Mitterrands. C'est quoi les étiquettes? C'est des réputations qu'on te donne. C'est comme tu donnes une étiquette à ta sœur casse-pied, tu sais. D'accord? Ça, c'est une bonne idée, j'avais pas encore pensé. C'est quoi des turpitudes? Oh, alors là, j'ai... Papa, c'est quoi des turpitudes? J'ai pas des... Des turpitudes. Là, il met... Alors, les turpitudes, c'est... Les turpitudes, si tu veux, c'est ce que... mauvaises actions. Ce sont de mauvaises actions, mais en général, on est mieux placé que personne pour savoir si on en a fait ou pas. Voilà. Quand tu fais des bêtises, ça pourrait t'appeler des turpitudes. Mais moi, j'aime bien l'expression « tes propres turpitudes » et pas les autres. C'est quoi la rédemption? C'est... Être sauvé. Oui, c'est être sauvé. Mais nous, on sait qu'il y a... Quand t'as fait des péchés ou quand t'as fait des mauvaises... Je me suis confessée hier. Voilà. Vendredi. Voilà. Oh, c'est la voilà. Même chose. Voilà. D'accord. D'accord.
Non, non, super. Beau spectacle. Super dimanche. Beau spectacle. On sait. Merci. Au revoir tout le monde. Il y a tout le monde. Salut. Eh ben voilà, je l'ai bien vu ton copain, mais tu fais plus petit que Marianne sur bah le oui, siège. Ça, c'est non, parce que je suis chère. C'est chaud. Ça va. Hi, Mommy Crush. Oh, it's so fantastic. You're so beautiful. So beautiful. He like it? Oh, I love it. You're just gorgeous and you sing so great. Right on the note, honey. Hey. And those dancers, they're marvelous. The aren't dancers, they? Yes. We're going on tour afterwards. How many? For how long? 6 months. 6 months. Have you done ever a musical? Yeah, did you ever Panama. Do a musical? Yes, I was with the musical of Panama Hattie with the Service Louis Boys. Prima. And Louis Prima. No, Louis Prima is not a musical. Louis Prima is an orchestra. Oh. He's a band leader. Yeah, but I sang for the boys after the war. That gives me my age, you know. Alors, Marianne, ma sœur, elle a vu combien de fois le spectacle? 5 fois, je crois. Non, plus. Plus. Elle vient et elle me dit si c'est bien, si c'est pas bien. Tu chantes un peu aussi. Ah oui, elle, oui. Elle chante très bien aussi. Marianne's going to be next, right? Jean? Alors, on va faire le. Il y a beaucoup de Génération. Monde qui chante dans alors, la famille. Mommy, you're the one. C'est elle qui nous a appris à chanter quand même. Bah, oui, hein. Et qui nous a appris à jouer à la guitare. You taught us first. Yellow bird. You make me feel so young. You make me feel like spring is sprung. Yeah. Il y a un jour que vous aimeriez revivre pour en changer les conséquences? Un jour que j'aimerais revivre pour en changer les conséquences, non. Non. On est formé, on se crée soi-même et on se crée avec ses erreurs. Les erreurs, sur le moment, elles ne sont pas agréables et puis peut-être qu'elles apportent des choses pas mal. Non, non, non. Quel est le plus beau jour de votre vie? Ah plus beau jour de ma vie, je crois pas qu'il y ait de plus beaux jours. Je crois qu'il y a des moments qui sont des moments de plénitude, mais qui sont seulement des moments, un endroit, un coucher de soleil, ou... il y a des moments de plénitude, dus à un paysage, dus à une situation, alors ça sont des moments de bonheur absolu. Mais je crois pas qu'il y ait un jour de bonheur absolu. Je suis fatiguée. C'est normal, ouais, c'est toujours un petit coup de barre à la fin quand même. Alors. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bien sûr. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Bravo. C'est gentil. Allez. Cheese. Cheese! 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 Voilà. Comment tu t'appelles? Justine. Justine, ça vous fait plaisir de signer des autographes pour vous écrire? Bah oui, pourquoi si pas? C'est bien. Vous l'auriez imaginé? Voilà. Oui, je pensais toujours qu'elle allait faire quelque chose. J'ai confiance en mes enfants. Comment tu t'appelles? Et si vous voulez la mère? La mère, c'est elle. Here, mom, here to find. Oh, la yeah. Really? Oh, wait a minute, mama. What am I saying? Chris. Mama de Jean. Okay. You mean again? So popular. Comment ça va? Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai de la belle langoustine, des belles spécialités. Il n'y a pas d'oursin? Non, il n'y a pas d'oursin. Ça va? Je suis désolé, on a deux défections. Eh ben c'est pas grave. Bon hein? Alors du coup... on va peut-être... On va peut-être... Ben, on va serrer un petit peu quand même. Voilà, alors. Voilà. Oui. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Moi je vais mettre là-bas. Oh, qu'il est mignon! Regarde comme il est mignon. Voilà. Elle revient de Porto Alegre, d'accord. Aujourd'hui? Hier. C'est un peu pour ça qu'on fait le dîner, ça fait 15 jours quand même. Il y en a pas beaucoup, il y a 15 heures. Vous êtes réunis à une table importante, enfin qu'il y a beaucoup d'histoires pour vous. La table de François. On y a grand souvenir. Je me souviens de dîner avec certains de nos amis socialistes où François les fustigeait un peu parce qu'ils disaient toujours on va faire, mais ils ne faisaient jamais. Et c'est ici qu'il a dit
si j'avais 10 ans de moins, je le représenterais une troisième fois, parce qu'il y a encore trop de choses à faire. Si j'étais pas malade, je les écraserais. Pour une troisième candidature. Mais parce qu'il avait peut-être encore des choses à dire, mais la maladie l'a arrêté. Et puis parce que le temps avançait et que ce qu'il disait avait de plus en plus la possibilité d'être entendu. Tandis que, comme aujourd'hui, François serait là aujourd'hui, ça serait pas le leader, parce qu'il n'y a pas de leader dans ce nouveau monde, mais ça serait une référence et un maître à penser. Regardez. Le président et madame, gentiment, nous avaient invités un jour à Latch. Madame la Présidente nous a accueillis, nous a dit d'abord pour commencer, ici on s'embrasse. Et quand le Président est arrivé, toujours dans l'esprit de me taquiner, il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous ?» Voilà, c'était lui. Il est quand même 850 km. Est-ce que tu as vu quand même la grande victoire de Gilbert ? Oui. Il a gagné au football. Ah, tu sais qui est en face de moi, au bar ? Platini, exactement. Ah bah écoute, je vais pas parler, il était au bar là. Ah bah attends, tu peux aller chercher Platini. Gilbert veut lui parler. Appelle Platini, il y a Gilbert qui veut lui parler. C'est ton frère ? Ouais. Salut, au revoir. Bonsoir, bon appétit. Si, merci. Je suis désolé, c'est mon frère qui voulait vous parler. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Non, mais je veux pas te faire de pub pour le. Ah bon. Je veux pas faire de publicité pour le. Parce qu'ils font jamais de prise. Le ou ça. Paris. Ça existe ? Oui, ça existe. Eh ben, bon appétit. Merci. Non. Ah oui, le demande de le menu. Grazie molto. Alors, andiamo. Moi, je sais ce que je vais dire. Food and fun. And fun. Et ça veut dire? Ça veut dire la mange tout. Manger et s'amuser, c'est ma grand-mère. Mais elle doit bien s'amuser parce qu'elle a un regard un peu coquin comme ça. You have parce que quand j'ai pris le manteau, elle a commencé à faire des habits et moi. Ça veut dire quoi, Chérie? Ça veut dire le chant vers Dieu, en hébreu. J'avais pas de prénom hébraïque et donc je me suis choisi le mien. Ah, tu sais quoi? Dans le nouveau film de Catherine Deneuve, ils ont piqué une chanson à moi. Oui, ils ont chanté une chanson. Ah bon? Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. C'est toi qui chante? Jamais. Non, c'est Catherine Deneuve. Ah, dommage! Dans le nouveau film de Catherine Deneuve. Oh non, mommy. Yeah, come on. Yeah, you start, mommy. You start. No, you do the, no, you do the harmony. Yellow bird up high on banana tree. Yellow bird. Come on, Marianne. You sit all alone like me. Stay on the good thing. Bet your lady friend leave the nest again. That is very sad. Come on, Marianne. You feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Cha 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 cha. Oui, oui, et puis, ben on va se quitter, hein. Parce que dodo, hein. On va se coucher. Hein. Vous êtes bien gentil, l'équipe, mais il est tard. Comment vous voyez l'avenir? Je le vois en flou, parce que je ne sais pas quel est le temps. Et c'est ce qui est le plus désagréable et le plus difficile à vivre. On me poursuit pour des choses que on estime que j'ai faites et moi je dis que je ne les ai pas faites. J'aimerais qu'on puisse m'écouter et prendre la décision le plus rapidement possible. Bon, je suis coupable ou innocent, mais qu'on me le dise. Moi j'estime que je suis innocent et je peux le prouver. Mais pas dans 10 ans. Bonsoir. Our love is here to stay, not for a year, but ever and a day. In times the Rockies will tumble, Gibraltar will stumble,
They're only made of clay. But... La meuf qui se prend pour Chantons sous la pluie, c'est génial. Our love is here to stay. En fait, je suis venue ici là quand j'ai su que j'avais le rôle. Et puis je suis revenue souvent parce que pour me mettre un peu l'image sur ce que je jouais et me l'imaginer vraiment quand j'étais sur scène, et ça m'a beaucoup aidée. Esmeralda, à cette heure-là. Elle est partie se coucher. non, là, Esmeralda, elle a quitté la scène, elle a quitté son costume. Et là, c'est moi, je suis contente d'être là, c'est Chirelle qui est là ce soir. Et puis j'essaye de bien me remémorer un peu cette image, ces images-là, de ces arbres derrière Notre-Dame. La scène, c'est... J'espère que je les aurai toujours en mémoire. Moi qui adore les souvenirs. Ouais. Our love is here to stay, not for a year, but ever and a day. In times the Rockies will tumble, Gibraltar will stumble, they're only made of clay.